Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors vous allez m'accompagner pendant quelques kilomètres dans la région de Metz. Joli Subaru là. Donc là, je vais récupérer dans un premier temps la A30 et puis ça sera la A31. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo où on passe un bout de route ensemble, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ou si vous n'aimez pas du tout, n'hésitez pas à le faire savoir. Et n'oubliez pas le petit like qui va bien. Si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous. Activez la cloche des notifications. Et pour les abonnés de la chaîne, je vous invite à vérifier que la cloche soit bien activée. On va laisser passer ces messieurs dames. Le temps n'est pas avec nous. Regardez, il est bien pressé là. Avec son Audi. Et dire avec moteur Renault. Mais tout ça pour juste tourner là. Attalian, fais bien gaffe. Allez, on récupère la A30. Alors, le beau temps n'est pas avec nous en ce moment. Il fait pas vraiment beau. Au moment où je tourne cette petite vidéo sur Marseille, c'est les inondations. Parmi vous, il y en a qui m'ont déjà demandé c'était quoi ces petites lumières voilà, là, orange qui apparaissent de temps en temps à droite et puis aussi à gauche. En fait, c'est les détecteurs d'angle mort, compagnie de CRS, les détecteurs d'angle mort qui détectent quelque chose. Mais bon, par expérience, ils détectent quand ils veulent et surtout, ils s'auto-détectent.
Ça, c'est au moins il sait qu'il est là. C'est déjà bien. On va pas lui en demander plus. Parce que quand il y a quelqu'un qui me rentre dedans, là, il est pas fichu de le détecter. Ou quand moi, je m'approche un peu trop près d'un muret, pareil, inconnu au bataillon. Donc, pas très au point, mais bon. Dans les nouvelles normes de sécurité, on doit au moins avoir celui-là côté passager. Alors, là, il s'allume, je ne sais pas ce qu'il détecte. Il doit s'auto-détecter. Alors, on a déjà fait un calibrage, c'est-à-dire une remise à zéro. Mais bon, ça ne change rien au problème. Allez, on est à récupérer la A31. Pas beau aujourd'hui. Bon, après, à l'heure actuelle, on est début octobre. Donc c'est un peu un temps de saison, mais bon, on aime bien râler auprès de la météo, donc. Alors ça secoue un peu, mais bon. Un centre de formation poids lourd. Ils doivent passer aussi le permis remorque pour les voitures, je pense. Étant donné que je suis pas chargé très lourd, je fais quand même bien gaffe à mes distances de sécurité. Si ça peut m'éviter d'avoir une mauvaise surprise et donc de piler. Dans ces cas-là, généralement la remorque elle va pas du tout là où vous voulez. Donc, on garde bien des distances de sécurité. Déjà que quand on est bien chargé avec un bon appui au sol, on fait quand même gaffe, mais encore plus quand on est chargé léger. Ici, bon, c'est un truc aucun rapport avec la route, mais ça m'a toujours épaté. Il y a énormément de villes qui se terminent par Ange. Talange, à Gondange, Florange, au Luxembourg, Differdange et j'en passe. Allez, il a bien choisi pour s'arrêter. On va regarder un peu dans le rétro. Alors peut-être il a un problème, mais parfois, et même un peu trop, ils s'arrêtent pour faire leur coupure. Ils vont au bout de leur temps de conduite et ils s'arrêtent là où ils sont. Alors je dis pas que c'est le cas forcément à ce moment-là, mais ça arrive très souvent. Et puis parfois,
Il y a une aire de repos où il y a un parking pas très loin en plus. Des fois, il suffit, bon, avec le nombre de zones industrielles qu'il y a dans les parages, de zones commerciales, il suffit de sortir de la A31, puis vous trouvez vite fait une petite place pour se garer. Si c'est pas pour passer la nuit, ça se passera bien. Si c'est pour faire 45 minutes, ça ira très très bien. En tout cas, ça sera beaucoup plus sûr que de rester comme ça, quoi. Au niveau de l'échangeur avec l'autoroute A4 qui part d'un côté sur Reims pardon et Paris et puis de l'autre sur Strasbourg. Et les mecs ils se mettent devant vous, mais donc ce genre de choses ça réduit énormément les distances de sécurité et c'est un peu chiant ça. Derrière lui, puis on va le laisser repartir un peu. Mais... L'aire de Saint-Rémy. Ouais. Parking poids lourd, il n'y a pas énormément de place, il y a peut-être une place ou deux à tout casser. Et lui, il a préféré se garer là. Il ne devait pas y avoir de place quand il est arrivé. Il faut se dire ici que dans le coin, les aires de repos, il n'y a pas énormément de place pour les poids lourds. C'est toujours une petite dizaine de places. C'est pas énorme. Mais c'est vite comblé avec le trafic. Il y a le Luxembourg derrière moi, pas très loin. Il y a l'Allemagne qui est pas non plus extrêmement loin. Il a 31 et c'est quand même une autoroute qui est régulièrement empruntée par les camions. Enfin, tout ça pour dire que le trafic y est quand même important. Et pourtant, alors il y a des aires de repos, hein, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas énormément de place pour les poids lourds.
J'allais dire, on n'est jamais content. Oui, c'est pas faux non plus, mais ça ralentit devant. Alors, il y a un centre routier là, juste à côté. Laisse repartir un peu pour parce que j'ai pas trop l'intention non plus d'accélérer. Je suis entre 80 et 83 donc sachant qu'ici c'est 80 pour les poids lourds. Donc je laisse prendre de la distance, on sait jamais. Pareil, il y a encore moins de place camion. Il y en a peut-être 5-6. Donc ces histoires d'emplacement pour poids lourds, c'est un vrai souci. Alors pas que en France, hein. Beaucoup de pays, l'Allemagne, la Suisse. C'est pas la joie. Allez, je vais me mettre dans la voie du milieu. Il est sympa, il me laisse la place. Et je disais donc les emplacements poids lourds, c'est vraiment pas la joie. Et le soir, c'est vraiment un souci. Qui plus est, alors ça fait quand même depuis plusieurs années comme ça, bon nombre d'étrangers s'arrêtent de très bonne heure, connaissant les problèmes. Alors surtout les gars des pays de l'Est. Encore les Espagnols et les Portugais ils roulent, mais les gars des pays de l'Est, ça s'arrête de bonne heure. Et très bientôt, on va repasser en trois voies. Bon, ici, c'est toujours 80 et on a interdiction de doubler. Un peu quand même. Cathédrale, je sais pas si vous la voyez. Bon, Metz est quand même une très belle ville avec un centre historique et une histoire importante. On va arriver au stade Saint-Symphorien, s'il n'a pas changé de nom. Le stade du football club de Metz, il va être sur ma gauche. Commencer à l'apercevoir normalement. Voilà, le voilà là.
beau stade qui a quand même été partiellement, en partie rénové. Bah, faut dire qu'il n'est pas tout récent. Allez, je vais me rabattre. Ça repasse en trois voies. Et fin de l'interdiction de doubler pour les poids lourds. Par contre, c'est toujours 80. Voilà, on va quitter Metz tout doucement. D'habitude, comme très souvent malheureusement, il y a des gens qui se mettent dans la voie du milieu mais qui accélèrent pas pour autant. Et une fois j'avais entendu une ânerie comme quoi il y en a qui pensaient que la voie de droite était réservée aux poids lourds. Donc j'aimerais bien savoir où ils ont pêché cette connerie, mais bon, en tout cas il y en a beaucoup qui y croivent. Dans une zone de travaux. Ouais, je vais laisser passer. Je vais laisser partir un peu les véhicules de devant. Un coup de ralentisseur tranquillement. Premier plot, pas besoin de plus. C'est limité à 70. Et surtout, ma priorité, c'est de m'éloigner des. Et de laisser une distance de sécurité. Là, je suis à une soixantaine de mètres du camion, même plus maintenant, 80. J'étais à une soixantaine de mètres de la voiture avant qu'elle double. Et c'est très bien. Puis quand j'aurai la possibilité de doubler, bah, je me rapprocherai et je doublerai puisque c'est un transport de matières dangereuses. Donc j'ai pas trop l'intention de rester derrière. Je suis rapproché à une quarantaine de mètres. Devant, il y a. Alors vous voyez certainement pas, moi je vois, il y a une voiture qui n'avance pas. Donc il bloque un peu la citerne devant moi. Alors, je vais essayer de vous le montrer derrière. Dans le rétroviseur, quel est l'intérêt? Je ne sais pas si vous voyez. La voiture qui est complètement sur la gauche, quel est son intérêt de rester à hauteur de la camionnette qui est derrière moi? À part faire chier son monde, c'est tout ce que ça fait. Et c'est accessoirement, c'est dangereux. Si vous dépassez, vous dépassez, vous mettez pas trois plombes, quoi. Voilà, ça va être la fin des interdictions. Puis là, par contre, il accélère. Maintenant qu'il a fait son ralentissement. Allez, on va doubler. Alors moi, si je fais comme ça, je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais quand je double franchement. Je veux pas que ça reste trois plombes. Et après, bon, s'il faut, je ralentis un peu pour trouver une vitesse plus adéquate, mais c'est ma façon de faire. Voilà. Quand je l'ai doublé, j'étais à 90. Ça n'a pas duré longtemps. Et là, je suis à l'entour des
dès 84, 85. Allez, bah, ça va être la fin de cette petite vidéo. J'espère que cette petite balade vous aura plu. Pas très longue, 25 minutes à peu près. Alors, surtout, donnez votre avis en commentaire. Partagez si vous avez envie. Likez, abonnez-vous. N'oubliez pas la cloche des notifications, je le répète. Mais en ce moment, avec YouTube, on dirait qu'il y a un petit problème. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt. Je vous ferai d'autres vidéos de ce genre si vous aimez. Un petit bout de route ensemble. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Allez, ciao à tous.